Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Journal 24 heures. Grâce à ce service de 24 heures, vous serez toujours au courant des dernières actualités. En effet, via votre assistant, vous pourrez écouter à tout moment les annonces importantes. Toutes autres informations concernant l'actualité sont disponibles sur notre site ainsi que sur notre application mobile. Merci pour votre intérêt. Journal 24 heures, 24 heures. Parlez avec Journal 24 heures. Actualité et magazine. Disponible. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux applications toutes fraîches, toutes nouvelles qui viennent d'arriver sur notre Google Home. Ces applications, vous allez certainement les adorer car elles vont vous donner des possibilités extrêmes. On va tout de suite commencer par la première et on va demander à notre Google Home de parler avec Journal 24 heures. Bien sûr, voici Journal 24 heures. La vue d'ensemble du 24 heures du 19 heures. La Suisse bat la Norvège 3-0. L'équipe de Suisse a battu 3-0 la Norvège à Bjaska en match de préparation au Mondial. Elle a ainsi corrigé le tir au lendemain d'une défaite 2-1 contre ce même adversaire. Swiss Lotto, le tirage ne fait pas de nouveau vénard. Samedi, il fallait cocher les numéros 4, 8, 10, 12, 23 et 29. Le numéro chance est le 3. Le replay, le 11 et le joker 272023. Les Lucernois dansent pour la Luzerntanz. L'ensemble de la population était invitée à se trémousser ce samedi pour la Luzerntanz au centre des congrès, dans la vieille ville et à la gare. Trump traite une journaliste de souleur de droguée. Un article du New York Times affirmant que Donald Trump malmène verbalement son avocat personnel a fait sortir le chef de l'État de ses gonds. Donc, parler avec 24 heures, donc c'est une nouvelle application sur les dernières news qui tombent durant les 24 heures. Je pense qu'elle peut servir à beaucoup de gens pour justement se tenir au courant des informations en temps réel. Et justement, pour les personnes en situation de handicap, cela peut vraiment être d'une très grande utilité. Les personnes, par exemple, malvoyantes qui n'ont pas accès aux journaux, eh bien, grâce au Google Home, vous allez être au courant en temps réel de toutes ces actualités. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas de mettre un petit like, de partager la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. On va passer donc tout de suite à la deuxième application qui est un peu plus personnelle. Mais vous allez voir que avec cette application, très sympa pour les célibataires. Allez, on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec... Lara de Métique. Grâce à Lara de Métique, vous pouvez trouver des lieux des rencontres, obtenir des astuces en séduction et bien plus encore. Métique. Art et mode de vie. Parler avec Métique. Très bien, je vous mets en relation avec Métique. Bonjour, heureuse de te revoir. Alors, t'as un rendez-vous prévu pour bientôt ? Non. Quel est le plus gros problème que tu rencontres dans ta recherche de partenaire ? L'âge. Il faut que tu sois clair sur un point. Tu veux une relation exclusive ou tu veux être libre de rencontrer potentiellement quelqu'un d'autre? Es-tu d'accord pour t'engager dans une relation exclusive à distance? Oui. Trouver une façon amusante ou décalée de rester en contact. En plus des messages, faites une balade virtuelle ensemble en vous appelant en vidéo. Si vous voulez toucher l'autre, envoyez-lui une vraie lettre qu'elle pourra tenir dans ses mains. Arrives-tu à rester en contact autant que tu le souhaites en général? Dans un couple, chaque personne peut avoir des besoins différents. Si tu as envie de l'entendre plus souvent, dis-lui simplement et sans arrière-pensée genre « Tu me manques, on pourrait échanger un peu plus souvent, maintenant j'ai besoin de tes commentaires pour m'améliorer. » Donne une note entre 1 et 5 à notre conversation. 4. Merci, j'espère que tu as aimé mes conseils. À bientôt. Voilà, donc là, on est sur des conseils mythiques, mais si vous avez un compte mythique, vous pouvez le relier avec votre Google Home. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de liker, partager et vous abonner toujours à la chaîne pour continuer donc à m'encourager, pour continuer à partager ensemble. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.